tous, bienvenue chez N'est pas chez Mémé. Alors, on est où là? Au yoga pour les enfants. Aujourd'hui, quelle posture tu vas nous présenter, Charles? La posture de l'écureuil. La posture de l'écureuil. Vous avez vu la jolie queue de l'écureuil en panache? Elle est magnifique. On va essayer de l'imiter, les enfants. Vous venez avec moi, vous prenez un tapis, vous pouvez être pieds nus, vous voyez, en short et en t-shirt. Allez, Charles, tu nous montres? Alors, on va s'asseoir. Commencez par vous asseoir. Vous s'asseoir comme ça. Bras tendus vers l'avant. Bras tendus comme ça. Et là, vous allez partir et enrouler les jambes vers l'arrière. Vous restez un petit peu. Là, vous avez vu, vous imitez la queue de l'écureuil. Et vous revenez tout doucement. Ça va? On revient se rasseoir, on prend le temps. Et vous allez rester 3 à 4 secondes sur la posture. Pas plus, et on va le refaire encore deux fois. Si ça vous fait mal, les enfants, vous dites à votre maman, elle va vous aider à vous remettre bien. Voilà, exactement. Allez, on repart. Bras tendus, vous êtes prêts, tout le monde? Allez, c'est parti. Et on y va pour la posture de l'écureuil. Ramène les bras le long du corps. Voilà, tranquillement. Vous voyez, et vous enroulez bien. Et là, vous avez la jolie queue hein, qui est en fait vos jambes. Voilà, et vous revenez tout doucement. Parfait. Comment ça va? On leur demande comment ils vont? Ça va? Oui. Allez, ça va. On le fait une dernière fois? On fait trois fois à chaque fois les postures. Allez, on y va. Charles, tu nous montres. On se grandit et c'est parti. On part en arrière et on enroule bien. Les parents, vous pouvez tenir vos enfants au niveau des lombaires, d'accord? Et vous voyez la jolie queue de l'écureuil tout en panache derrière votre tête, les enfants. Et on revient tout doucement. Wow, bravo mon chat. Bravo à vous. On va les féliciter. Allez, j'espère que ça a été. C'est pas grave, chérie. C'est pas grave. J'espère que ça a été. Alors, première posture, c'était la posture de l'arbre. Charles le déménageur. Posture de l'arbre. Et aujourd'hui, nous avons vu la posture de l'écureuil. Vous pouvez faire ces deux postures à la suite. Donc, trois fois sur chaque posture. En tout cas, on vous applaudit. Bravo à vous. Restez heureux. Faites votre yoga tous les jours, les enfants. Une posture par jour, c'est parfait. On dit quoi? À très vite. Et n'oubliez pas. On n'est pas chez Mémé. Bye. Bye.